Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un épisode où je vais essayer de retourner dans le Nether malgré ma grosse peur due au dernier épisode où j'ai failli mourir là-bas. Je me suis dit que si je déplaçais mon portail, alors j'ai laissé l'ancien bien sûr là-bas, mais si je le déplaçais d'un certain nombre de pas dans la bonne direction, peut-être que j'allais arriver au plus proche de ce que j'ai imaginé être une forteresse. Donc voilà, donc je me suis installé pas très très loin du village, et puis j'ai construit ce portail un petit peu plus simpliste, et un portail que j'aimerais bien voir doté de tout un tas de nature. Donc je l'ai installé à côté d'un grand arbre, et j'ai planté plein d'arbres à côté, mais bon, bah, ça donne pas grand chose. Alors, on va l'allumer, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va partir sur la décoration. Allez, on prend toute la réserve et on va essayer de faire pousser ces arbres de manière non naturelle, bien entendu. Je vous passe... Bien sûr, ça commence bien. Ça veut pas. Je vous passe les détails et on va essayer de faire ça en accéléré. Go! Alors, dans le Nether, j'ai ramené ces blocs d'os. Voilà. Bah alors. Non, c'est pas vrai, le chien. Pousse-toi de là. Oh. Pas mal du tout, pas mal du tout ça. Ça a de la gueule. Et on a même des abeilles qui s'y sont installées. Génial. Reste plus qu'à mettre ici, peut-être remplacer ceci. Des escaliers ici. Et on est bon. Il passe à travers le portail. C'est génial.
Bon, bah, restera encore implanté. Bah, voilà. Un autre ici. Non, peut-être pas. On va faire un petit décalé. Voilà, j'en ai encore d'autres de toute façon que je pourrais installer. Mais voilà, j'aime bien cette idée de nouveaux portails en pleine nature. Et là, on va truquer un peu le truc. Voilà, truquer le truc, pas mal. Voilà. Comme ça, on est bien. Alors, pourquoi retourner dans le Nether alors que je me suis fait là-bas une grosse frayeur? Bah, tout simplement parce que, en plus de faire le progrès associé au passage du portail, j'avais dans l'idée de ramener du quartz pour pouvoir faire un observeur. Observeur qui me permettrait ensuite de préparer peut-être une machine qui me permettrait de collecter mon bambou, mon pardon, ma canne à sucre. Et puis peut-être éventuellement le bambou, mais je crois que j'en ai pas ramené ici. J'ai tout laissé à l'autre village. Donc voilà. Donc l'idée, ça va être de retourner là-bas. Mais si possible, dans les meilleures conditions. Donc à savoir avec un nouveau bouclier, on va attendre de péter celui-là. Ah, je suis bête, j'ai laissé, mais bien sûr, j'ai laissé toutes les armures en or dans l'ancien portail. Donc il va falloir que je retourne là-bas pour aller récupérer ça. Bon, bah, je vais faire ça en off, pas la peine de vous infliger cette partie-là. Hop, encore un peu de poudre d'os, j'y retourne. L'âne se sent seul. Ça, c'est pas nécessaire. Ça sera utilisé. Allez. Je retourne au portail là-bas et je vais aller reprendre l'équipement de manière à pouvoir y retourner dans le Nether, mais de ce côté-ci. A tout de suite. Voilà. J'ai presque terminé tout ça. L'installation est presque prête. Il ne reste plus qu'à se changer. Pour aller faire un petit tour dans le Nether. J'espère juste, ouais, je vais tout de suite changer. Pas la peine de trimballer le bouclier moitié pété. Donc j'espère juste que je vais pas tomber à un endroit horrible. Attention. Waouh. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Vous voyez, mon ancien portail est là-bas. Le fait de grimper, ça me permettait d'aller jusque là-haut. Mais là, je suis au bon endroit. J'ai pas confiance. Waouh. Bon, eh bien, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, reste à voir comment je fais. Est-ce que j'y vais avec des animaux ou pas? J'ai pas confiance du tout. J'ai pas pris d'or, j'ai rien pris. Oh, je suis trop content. J'ai pas réussi à identifier si c'était un bastion ou une forteresse. Les deux ont des intérêts. Il y en a un qui est particulièrement dangereux. Et je me sens pas suffisamment à l'aise pour pouvoir y aller sans protection supplémentaire. Sans protection supplémentaire. Je suis déjà bien protégé, hein, mais j'aimerais en avoir encore un peu plus. Ouais, ça, faut que j'enlève. Pas la peine de le gaspiller. Ou de l'user. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'or.
qui va me permettre de pouvoir faire des échanges. Et je vais quand même essayer d'aller grappiller un petit peu de quartz pour que je puisse faire mes constructions et mon observateur, oui, observer, c'est sa version anglaise. L'observateur qui va me permettre ensuite de fabriquer mes premières machines. Alors c'est plus pour le fun que pour autre chose, pour essayer d'automatiser un peu certaines choses. On va emmener les chiens. Hein ? Est-ce que vous voulez bien venir avec moi les chiens ? Allez, vous trois. Ou quatre. Quatre. Allez, venez. Voilà. Et on y va. Pourquoi ça s'agite comme ça? Ah non, il est passé de l'autre côté. Bah tant mieux. Ouais non, ça ressemble vraiment à un bastion là. Là-haut, il y a des bestioles que j'ai pas envie de voir. Alors que ici, potentiellement... Non, c'est pareil. Oh non, non, il faut qu'il dégage lui. Il est énorme et j'arrive pas à le tuer, c'est dingue. Cette fois-ci, le quartz, je vais le garder et je vais pas le transformer, je vais pas faire la même bêtise que la dernière fois. Et là, on va essayer de rentrer là-dedans. Ouais, ça ressemble bien à un bastion et pas une forteresse, donc j'aurai pas ce que je veux. Ou pas dans les mêmes conditions. Quoi ? Oh ! Alors, pas fait exprès du tout. Mais le résultat est là. Alors toi, t'es un gentil, enfin on va être gentil. Ouais, non, c'est pas génial. Je serais preneur d'une petite potion de résistance au feu ou un truc dans le genre. Et j'ai bien compris qu'il ne faut pas aller
vous piquer de l'or. Mais non, c'est lui. Le petit va rien me donner. Oh, le chacal. Tiens. Vas-y, vas-y, toi. Ouais, bof. Eh, t'en vas pas, attends, vas-y, donne-moi le truc. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, potion de résistance au feu. Et l'autre, une fiole d'eau. Bon, tant pis. C'est déjà pas mal. Allez, on va pouvoir quitter cet emplacement et se renseigner un petit peu sur les bastions pour essayer de voir comment je peux aller faire un tour là-dedans sans m'en prendre plein la goule. Ah, je suis content. C'est superbe là. Alors, l'obsidienne, on va la garder, mais... Le sable, pas nécessaire. D'accord. Bon, bah ok. C'est un petit peu ce que je me disais, c'est-à-dire que je vais aller me balader avec... Donc là, je pense que j'ai un chien qui est parti aussi à l'intérieur. Ah mais là c'est vraiment beaucoup plus intéressant, j'ai fait ce que... Enfin, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc à savoir... Wow. À savoir trouver le bon emplacement pour accéder à cette donc forteresse. C'est bien ce que j'avais imaginé. Non, j'ai dit forteresse. Non, c'est peut-être pas une forteresse. C'est peut-être un bastion. Il pleut, il y a de l'orage, c'est techniquement pas génial. Mais on est protégé. Hop là, ici on est bon. Voilà, et ben... Une belle partie, un beau petit épisode, un bel petit, oh, je sais pas comment on dit. Je suis content. Je sais pas du tout. Non, ça je vais le garder ici. Ça c'est de la nourriture. Le gast. On va le mettre là. Et ça reste ici. Ouais. J'espère que mes villageois sont bien protégés. Il n'y a pas de raison, il y a deux paratonnerres. Bien, et ben donc, je vais partir à la recherche de renseignements sur ce bastion, sur la meilleure façon d'y accéder sans souffrir de trop. En attendant, je vais certainement faire évoluer le village, parce que comme vous avez pu le remarquer, il n'y a plus trop d'évolution dans le point de vue des villageois. Ils sont heureux, mais ils ne se reproduisent plus. Donc, certainement rajouter la tour dont j'avais parlé ici, et puis... là aussi, imaginer une construction, une nouvelle construction pour faire un nouvel habitat et un espace de travail. Alors, soit par ici, parce que c'est assez vide et il reste ce chemin-là, soit de l'autre côté là-bas, mais il y a déjà un gros bâtiment, donc je pense que ça va être par là. Voilà. Donc ça fera peut-être l'objet d'un épisode ou juste des petits morceaux de construction pour vous montrer l'évolution. Voilà, et bien ce deuxième retour dans le Nether aura été un peu mieux
un peu plus intéressant et beaucoup moins dangereux. J'ai mon quartz. Je vais pouvoir construire aussi mon observateur et commencer à réfléchir à tout un tas de constructions automatiques pour la suite des aventures. Je vous dis donc à très bientôt. Salut!